Yo les gens, c'est Razan, comment allez-vous? Eh ben écoutez, moi je vais bien. Là on est sur Call of Duty Modern Warfare et on est en live. Alors on est parti pour une petite partie en live, d'ailleurs je vais lancer tout de suite pour pas trop perdre de temps. On va lancer une petite domination. Là vous voyez que je suis niveau 5. Si je suis niveau 5, c'est tout simplement parce que avec ce compte-là, c'est pas mon compte principal, on va dire, pour jouer à ce jeu. J'ai fait une petite partie juste avant pour pouvoir monter au niveau 5, enfin en tout cas au niveau 4 pour pouvoir créer ma classe. Et puis j'ai fait cette vidéo là tout de suite. J'avais envie de jouer, j'avais un petit peu envie de renouveau, enfin un peu changer que Modern Warfare 3, donc c'est pour ça qu'on est sur Code 4. Un jeu vraiment que j'ai pas commencé sur ce jeu, donc je vais pas dire que c'était la bonne époque où personne n'était. Enfin, il n'y avait pas de noobs, tout le monde jouait bien, tout le monde était gentil, enfin bref. Non, j'ai pas connu cette ère-là, moi j'ai connu Modern Warfare 2, c'était mon premier jeu. Et donc Modern Warfare, je l'ai connu à peu près à la même période. Un petit peu après, donc ça jouait déjà au Lost Tube. Il y a les connexions tout le temps interrompues, enfin les hacks. Ça, c'est souvent. Enfin, il y en a souvent des hacks. Mais c'est vrai que ça, j'avais envie de changement, donc c'est pour ça que je suis sur Modern Warfare. Et j'ai quand même. Enfin, j'ai bien accroché hein, quand j'avais essayé. Ça fait maintenant un an et demi, je pense. Et donc, c'est toujours vraiment un grand plaisir quand je joue à ce jeu, parce que quand même, il est vraiment. Pour moi, c'est le plus simple des. Enfin, en termes. Au niveau du. Comment dire? 4, 5, 6, enfin dans les derniers Call of Duty Next Gen, donc sur PS3, c'est pour moi le plus simple des 5, 4 plutôt. Donc c'est pour ça que. Ok, lui est déjà mort. C'est pour ça que c'est vraiment un réel plaisir, parce que tout simplement les killstreaks, bah, c'est les mêmes pour tous, donc il n'y a pas de trucs cheatés, il n'y a pas de bombardiers furtifs, de. Ok. Je sais pas moi, de drones améliorés, de mastodonte, enfin des trucs comme ça. Donc ça fait plaisir. Au niveau des atouts, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de cheatés. Bon, effectivement, il y a toujours les choses un peu embêtantes comme mastodonte. Moi, je trouve ça plutôt embêtant. Ça fait penser à Morphine dans MW2. Il y a d'autres choses comme ERPG x2, mais je crois pas qu'il soit aussi abusé que dans les suivants. Ok, donc toi t'es mort. Ok, on commence bien. J'ai un petit drone, on va le lancer tout de suite, écoutez. Voilà, donc je pense vraiment que c'est pour moi, c'est pas, je dirais pas que c'est le meilleur Call of Duty. Car, ok, il est simple, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Mais moi je suis pas contre non plus un plus large panel d'armes ou de choses, ok, merde. Enfin, comment dire. Plus de choix au niveau des atouts, même s'il y a beaucoup de choix, hein, mais surtout au niveau des armes, des accessoires. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réelle différence entre les armes. Après, les vrais connaisseurs vont me dire, non, mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Bah, après, écoutez les gens, moi c'est mon ressenti. Moi je trouve qu'il n'y a pas de réelle différence. Je trouve que toutes les armes sont à peu près équivalentes. Et c'est vrai que c'est bien à la fois, mais on n'a pas non plus de sensations nouvelles à chaque fois qu'on sort une nouvelle arme. Je l'ai vu, hein, celui sur le balcon, mais je vais essayer d'avoir celui-là avant. S'il ne cut pas. Voilà, je me suis pris cher. Donc voilà, mais si je fais cette petite vidéo en live, c'est évidemment. Enfin, je pense que. Vous aurez remarqué que j'ai vachement. Enfin, j'ai été extrêmement inactif ces derniers temps. Alors, ça s'explique à plusieurs choses. Donc, la première chose. Ok, donc je respawn me fait flasher, génial. La première chose. Tout simplement que mon ordi, en fait, il a eu quelques problèmes, quelques petits problèmes, et du coup, je pouvais pas faire de vidéo, tout simplement. Ah, je l'avais pas vu, je crois qu'il était mort. Donc c'est vrai que j'ai réussi à, enfin, il est complètement mort, et du coup, je pouvais pas faire de vidéo, je pouvais pas enregistrer, je pouvais pas non plus avoir accès à n'importe quel réseau social, je pouvais pas avoir accès. J'ai pas d'ordi portable, j'aurais pu peut-être avec mon portable, mais j'ai carrément fait une triple. Avec mon portable j'aurais pu, mais j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de un bon portable en fait. C'est un vieux port, enfin un vieux portable, non, c'est un Samsung PlayerStar pour ceux qui connaissent. Et donc du coup c'est pas vraiment le meilleur portable pour aller sur internet, donc je pouvais pas tweeter ou je pouvais pas vraiment vous dire ce qui se passait. Donc c'est vrai que c'est la pire des choses pour un youtubeur quand son ordi lâche, parce que j'ai aucun moyen de vous prévenir. Donc c'est vrai que c'est embêtant pour tout le monde et surtout pour moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et ça me gêne de ne pas vous avoir proposé de vidéo pendant 2 semaines. C'est vrai que c'est plutôt
Bah, je trouve ça un petit peu limite de ma part, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Donc là, si je fais une vidéo, donc c'est simplement parce que c'est bon. J'ai un nouvel ordi, donc j'ai réussi à tout installer, donc c'est parfait. On va pouvoir refaire les vidéos comme avant. Ok. Je suis dans la merde là. Non, ok, c'est bon, on peut y aller. Ah oui, donc il n'y a pas d'issue, ok. Ouh, la chance que j'ai. Donc voilà, on va pouvoir recommencer les vidéos. Est-ce que je vais t'avoir? Non, je vais pas t'avoir. Voilà, donc je vais éviter de radoter. La deuxième raison aussi, c'est parce que je trouve que pour mes vacances, bah, vous n'êtes pas présent comme je le voudrais. Ça sert à rien de lancer des nouvelles séries, en fait, enfin, c'est mon avis. Je pense que les gens en vacances, ils n'ont pas envie de regarder des vidéos, enfin, en tout cas, c'est pas leur priorité. Ils préfèrent faire autre chose, sortir, voir des potes, aller à la plage, pour ceux qui sont près de la mer, enfin, vraiment, ils veulent profiter du beau temps, même si, bon, il n'a pas fait super beau. Mais ils veulent profiter des vacances au maximum, sortir, s'aérer. Et ça, c'est tout ça. Enfin, c'est. Je peux comprendre. Moi, c'est pareil. C'est comme ça que je conçois les vacances. Et donc, j'avais pas vraiment la motivation quand je vois le soleil et tout. Quand je vois mes potes, j'avais pas trop la motivation de faire des vidéos, ça c'est sûr. Et vous, je vous sentais que vous avez pas non plus la motivation pour les regarder. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi me forcer? Pourquoi nous forcer à faire des choses dont on n'a pas envie? Donc, c'est pour ça que bah, j'ai pas fait de vidéo. Et puis. Là, vu que bah, c'est connexion interrompue, voilà ce que je vous disais, hein, ça c'est vraiment le plus gros défaut de Code 4. C'est tout simplement bah, que les connexions sont en mousse, hein, il n'y a plus de serveur adéquat. Ouais, donc voilà, connexion serveur expirée. Donc bon, on va pas se laisser là parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc on va lancer vite fait une petite partie en match à mort par équipe. Donc comme je vous disais, c'est bah, c'est la rentrée. Hein. Je reprends moi, donc c'est mardi prochain. Je suis collégien, donc je reprends. Bah, la date des collèges, quoi, normal. Et donc, ça va annoncer vraiment beaucoup de vidéos. Donc, je vais reprendre un rythme de vidéo normal. Donc, quand j'appelle un rythme de vidéo normal, c'est environ 3-4 vidéos par semaine. Mon let's play qui va continuer, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur Ratchet & Clank. FIFA, il va y avoir vraiment du lourd. Je vais essayer de proposer beaucoup plus de vidéos sur FIFA. Peut-être avec un autre YouTuber. Donc, enfin, vous ferez sa connaissance, je pense, dans les prochaines vidéos. Et puis bah au niveau du Call of Duty, bah, il y en aura toujours. Hein. Mes tutoriels, je les continue. Ça a très bien marché. D'ailleurs, je remercie Onlycode pour bah, pour mon upload. Ça m'a apporté quand même pas mal de vues et pas mal de bah, d'abonnés, ça c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir montrer son travail à un plus large public. Voilà. Donc vraiment, je les remercie. Puis en espérant que bah, c'est pas la pro fin, c'est pas mon premier. J'espère que ma vidéo sera upload sur d'autres chaînes. Mais bon, là, je me fais plus trop d'illusions. Ça fait quand même longtemps que je l'ai proposé. Donc voilà, bon, bah, s'ils veulent pas l'upload, hein, c'est leur problème. Hein. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui, je veux dire, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Ils savent très bien ce qui peut marcher, ce qui ne va pas marcher. Et donc, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée que d'accepter. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ouais, donc j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne bah, le manque de vidéos ces derniers temps. Au niveau du FIFA, donc il y a FIFA 13 qui va bientôt sortir, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur FIFA. Et vraiment là, je vais lancer plusieurs séries, hein, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y aura beaucoup de jeux, donc avec mon abonnement Gameomaniac, je vais essayer de procurer les nouveaux jeux. Même si j'ai pas encore, enfin j'ai pas l'option à 4,90€ VIP, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour avoir les jeux vraiment en priorité. Ça, je l'ai pas. Ouais, je me suis fait avoir. Ça, je l'ai pas cette option-là et du coup, je peux pas. Enfin, je vais essayer de, ben, d'essayer de, ben, d'élargir mon budget pour débloquer cette option parce que c'est vrai que c'est important de quand même d'avoir les jeux qu'on veut. Donc voilà. Oh, ouais, je me prends que des grenades, ça c'est pénible. Ok, toi t'es mort. En priorité, pour l'instant, c'est Sleepy Dogs, Sleeping Dogs, parce que je me suis rendu compte, j'ai dit Sleepy Dogs la dernière fois. Et c'est Sleeping Dogs. C'est vrai qu'il faut pas trop que. Bah... Je pensais vraiment que c'était vraiment pas. C'était pas ma langue qui avait fourché. C'était vraiment moi qui avait fait n'importe, enfin, qui avait dit n'importe quoi. Je pensais que c'était Sleepy Dogs. Enfin bref. C'est vraiment le jeu qui m'attrait le plus. En tout cas pour le moment. Ok, toi t'es mort. Ouais, mais les Lucos là c'est. Ah non, c'est la frappe de Napalm. Je vous avoue que c'est pas ma map préférée. Hein. Je trouve que cette map elle est vite. Elle est vite étouffante, enfin ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. Alors, on est vite submergé par les ennemis. Ils peuvent nous avoir comme ils veulent, enfin c'est. C'est vraiment. Enfin.
une fois que l'ennemi est installé dans le corps adverse, bah, il n'y a pas d'autre moyen de se faire dominer, voilà, avec les hélicos, les frappes de napalm, avec leurs armes, souvent il y a des grenades, des snipers, enfin vraiment c'est vraiment la galère cette map. Évidemment quand on est dans... Oula, tu fais mourir. Quand on est dans la situation où c'est nous qui... Ouais regardez, je me fais... Ils sont tous en train de... Je dirais pas camper, mais ils sont tous en train de nous attendre. En même temps c'est normal, hein, c'est un petit peu ce que je fais aussi. Et c'est vrai que c'est chiant quoi, parce qu'on est obligé de... On essaie tant bien que mal de... Bah, d'avancer sans pouvoir faire grand chose. Donc voilà. Je pense pas avoir grand chose à dire. À part que au niveau des vidéos en live, personnellement je me sens un peu plus à l'aise en live. Tout simplement parce que je sais pas, j'ai des choses qui me viennent plus en tête. Je suis plus dans le feu de l'action. Je suis peut-être un peu moins sérieux, peut-être un peu plus détendu. Je pense que ça se voit. Et donc bon, on va jouer au snipe. Hein. On va jouer au snipe tout simplement parce que bon. On arrive à la fin de la partie, donc on va essayer d'enchaîner quelques petits flashcops. Je me fais pas trop d'illusions, hein. Je vais pas trop en enchaîner, je pense pas. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué au snipe sur ce Call of Duty. Donc je pense pas pouvoir procurer un bon gameplay. On va quand même se mettre en sensibilité 6. Allez, on est parti pour la sensibilité 6. Et donc je pense faire vraiment beaucoup de vidéos sur, bah, sur les anciens Call of Duty, parce que personnellement, Modern Warfare 3, je commence à en avoir ma claque. Donc... voilà, mis à part pour les tutoriels, je pense que je vais un petit peu arrêter les vidéos de Call of Duty. Les défis d'abonnés en live, c'est une série qui a bien marché. Enfin, le premier épisode, bah, ça a bien marché. Mais en fait, le problème, c'est que je vais pas pouvoir réitérer ça très souvent. En fait, c'est que je recherche des personnes pour pouvoir faire le deuxième épisode. Mais ça court pas les rues, hein. ça, c'est sûr et certain. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas beaucoup de personnes disponibles. Les abonnés, faudrait que j'ai plus de monde sur Twitter, mais je me vois mal faire une petite vidéo sur YouTube pour dire voilà, donnez-moi vos PSN, on va faire une vidéo tout de suite, hop, maintenant. C'est vrai que je me vois mal faire ça, et c'est pour ça que bah, je vous recommande grandement mon Twitter, d'ailleurs il sera encore, enfin le nom de mon Twitter sera encore dans la description, et enfin il sera toujours dans la description, et à la fin des vidéos. Ok, le M21, ça je le connais, mais il est pas spécialement intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour de Razan, hein, ça je vous l'assure. Les vidéos arrivent très prochainement. Le Let's Play, FIFA, Call of Duty, les nouveaux jeux, les hits. Vraiment du lourd en prévision, voilà. Moi j'espère que vous allez bien. Bonne chance pour la rentrée. Je pense qu'on est, tous dans le même panier. Ça va être compliqué pour beaucoup d'entre nous. Enfin bref, passez de bonnes fins de vacances. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!